Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Je suis revenu pour faire une autre leçon. Je n'ai pas d'élèves là maintenant, donc je suis tout seul. J'en profite un peu. D'accord, alors qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je voulais vous faire une petite leçon sur le blues. Comme tout le monde le sait, il y a plusieurs. Il y a plusieurs genres de blues, hein. Il y a le blues mineur, le majeur, le Chicago, le jazz, le funk, le blues rock, etc. Il y a des moments où, lorsqu'on travaille par exemple le blues, surtout lorsqu'il s'agit de lignes de phrasées de chorus, il ne sait pas où aller. D'accord? Alors, il y a toujours le blues simple, genre par exemple si on est sur un la mineur, on fait ce qu'on appelle licks ou bien des lignes signatures comme le. D'accord. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Il y a au moins une tonne de lignes signatures comme ça, mais moi je préfère faire partie d'un. Essayer de trouver un vocabulaire qui est assez spécifique. Je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai fait une loupe, mais avant de vous parler de la loupe, ce que je voudrais vous dire, c'est essayer de trouver, toujours quand vous voulez travailler, surtout le blues, hein, parce que si c'est sur un do, on parle de trois accords. Hein. D'accord? Trois accords. Donc, disséquer le truc me semble une idée assez importante et assez essentielle. Donc, à Nashnodertz, j'ai loupé un seul accord. Je vous explique. D'accord? C'est un accord de Do septième. Et j'ai fait sur la loupe. Mettre un solo, enfin une ligne sur le la. Comme vous pouvez le mettre sur le do. D'accord, un truc comme ça. Faire un mix entre les deux. Vous pouvez jouer sur un mi bémol, septième. Sur un si mineur. Bon, là, maintenant je vous montre ce que je fais. Hein. C'est-à-dire que je vous montre. Je ne vous montre pas. Je vous montre des idées. Je ne vous montre pas. C'est-à-dire des lignes, un phrasé. Hein? Mais je trouve que il y a beaucoup de joueurs de jazz, guitaristes arabes qui n'utilisent jamais la gamara. Je trouve ça un peu haram. Thank you.
réelle, enfin une diminuée. Un peu de la pentatonique liée hein, sur le Do. Voilà. Tous ces trucs, essayez de les sortir, essayez de les jouer sur une septième, c'est-à-dire une quinte. Parce qu'un an, j'enseigne, je joue le soir, je ne travaille pas trop. Mon seba. Salam alaikum.